Sortie scolaire à l'approche de Noël avec des élèves des différents établissements scolaires de Brazzaville. Un cadeau de la mairie de Brazzaville par le biais de sa direction en charge du développement culturel, du tourisme et des sports pour faire découvrir aux enfants l'histoire de la ville de Brazzaville, comme l'a expliqué le député maire Dieudonné Bansima. En cette fin d'année, nous avons voulu surtout vous faire ce plaisir pour que vous puissiez mieux connaître votre patrimoine, votre ville dans laquelle vous vivez, connaître l'histoire de cette ville. Tout ça parce que vous êtes des citoyens. Et donc vous devez connaître l'histoire de la ville de Brazzaville, le patrimoine, les symboles de la ville de Brazzaville qu'on vient de vous expliquer tout à l'heure. Juste après, une descente a été effectuée dans quelques lieux symboliques et historiques de Brazzaville, comme le mémorial Pierre Savornion de Brazza, la case de Gaulle et les tours jumelles de Brazzaville. De quoi émerveiller les élèves. On a visité des monuments. Là, nous allons voir Pierre Savornion de Brazza. On a vu la tour jumelle. J'ai très très aimé. On a visité plein de choses qui sont jolies, qui m'a beaucoup impressionnée. Bref, une belle balade touristique au cœur de l'histoire de Brazzaville, ville créative de l'UNESCO.